c'est l'heure de notre pépite et il est grandement l'heure aussi de savoir si on a une belle peau. Oui, exactement, c'est un diagnostic de peau basé sur l'intelligence artificielle. À l'aide d'un simple selfie et d'un questionnaire, on va pouvoir établir une routine de soins personnalisée. Ça s'appelle Skin Analyse IA, dont vous êtes l'associé, Étienne Audéou. Bonjour. Bonjour. Oui. Alors ça se présente sous la forme d'une application et d'ailleurs on a pu la tester ce matin. Oui, avec Noémie. Anthony. Je vous avais contrarié, Anthony. Je me fais insulter par une application dès le matin. Qu'est-ce qu'elle vous a dit hein. Elle m'a dit que j'avais une très mauvaise peau. Vous manquez d'hydratation. 5%. Alors que Noémie a des scores absolument parfaits partout. Mais fermeté, très bien. Ouais, fermeté, c'est pas mal. On aura un problème d'éclairage probablement. Non, mais c'est à ça que ça sert. Il faut qu'Anthony s'hydrate. Exactement. Voilà. Exactement. Ça permet de poser une base qui va permettre ensuite de venir apporter plus de conseils et surtout du soin de la peau qui est aujourd'hui grandement demandé par les consommateurs finaux de produits de dermocosmétiques. Alors, ce qui est intéressant, c'est votre business model, effectivement, c'est que cette application, elle n'est pas pour le grand public. Elle est pour les revendeurs, les retailers notamment, qui vont vous le prendre sous forme d'abonnement ou pour les marques qui vont le proposer à leurs revendeurs, c'est ça ? Exactement. Aujourd'hui, on est présents en officine, dans une cinquantaine d'officines, notamment en région parisienne. Et demain, on se développe avec les laboratoires pour venir leur apporter justement cette technologie et ce conseil en soin de la peau pour pouvoir aiguiller leurs consommateurs finaux. Et la version pour les particuliers va sortir quand, du coup ? On verra. Non, pour l'instant, le plus important, c'est de co-construire avec les laboratoires et de leur apporter cette expertise. Derrière, voilà, c'est eux qui vont mettre en place sur leur site internet aussi par la suite, pour le e-commerce, cette possibilité d'avoir le diagnostic directement plugué. Mais ça n'existe pas déjà, oui, parce que j'ai l'impression que L'Oréal... On est peu de choses à côté de L'Oréal. Mais oui, c'est même. Ça, ouais. Propose déjà un genre d'outils avec de l'IA intégré. Ça existe. Il y a notamment IOMA qui a son diagnostic avec ses produits derrière. Nous, on vient apporter justement l'expertise et la technologie à tous les laboratoires qui aujourd'hui n'arrivent pas justement à se développer à ce niveau-là et qui n'ont pas les moyens en interne de pouvoir développer ce type d'application. Donc l'idée, c'est peut-être de faire une sorte de marque blanche, exactement, de plateforme marque blanche pour chacun des fabricants qui proposera ensuite comme solution ses propres produits, j'imagine. Exactement. Enfin, comment ça marche ? Parce que forcément, vous allez dire que j'ai besoin d'énormément de produits. Avec la peau d'Anthony, ça fait beaucoup de travail, il faut qu'il achète énormément de choses. Mais c'est dit, Noémie, elle a besoin de rien, visiblement. Mais parce qu'elle avait des... Non, si les cernes, c'est 50. Ouais, d'accord. Le reste, c'était presque... Les cernes, il faut dire que vous vous réveillez à 4h du matin. C'est un peu normal. Le contraire aurait été étonnant. Non, pour le coup, nous, on vient aiguiller et surtout sensibiliser le consommateur sur le fait d'avoir une routine de soins. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème sur le bien-être des individus. Il y a une recherche de personnalisation du soin de la peau. Et aujourd'hui, c'est vrai que mettre une crème tous les 3-4 matins, c'est pas ça qui fait de l'effet. Ce qui est important, c'est d'avoir une routine et de suivre des étapes précises. Nous, on vient apporter ce conseil. Et surtout aussi, on va venir intégrer des bases de données qui vont permettre de comparer les produits en interne sur notamment leurs composants, etc. Pour apporter de la transparence. C'est quoi le niveau de fiabilité ? Je demande pas ça parce que j'ai eu des mauvais scores, mais le niveau de fiabilité réel, c'est-à-dire que par exemple, l'analyse des pores de la peau, on est capable aujourd'hui d'avoir le couplage appareil photo et algorithme est capable d'analyser vraiment les pores de la peau, l'analyse des pores de la peau ? Alors bien sûr, ça c'est des outils qui sont en permanence travaillés. Aujourd'hui, comme on peut le voir, c'est vrai que la différence de luminosité va jouer un peu. C'est pour ça qu'il y a aussi l'importance d'être présent et d'avoir de la digitalisation pardon, et d'être présent en officine. C'est que le conseiller va pouvoir venir aiguiller la personne sur le diagnostic et avoir une luminosité forcément qui va permettre de détecter plus facilement les problématiques de peau. C'est quoi le prix de l'abonnement pour une officine, par exemple? Aujourd'hui, on est entre 100 et 170 euros par mois pour une officine. D'accord. Mais l'officine, donc, du coup, les conseils, ça va être... Elle est multimarque. Multimarque, c'est exactement, ça. Exactement, ouais. Ils sont liés, du coup, avec son stock. Vous mettez pas particulièrement une marque en avant? Non, l'objectif, quand on est en officine, c'est d'être multimarque, justement, et de conseiller, parce qu'il y a une multitude. Ouais. C'est pas la suite, justement, de mettre une marque en avant, d'avoir un partenariat commercial. Tout à fait, c'est ce qu'on va venir apporter au laboratoire, notamment dans les journées d'auto-animation, où en fait, les laboratoires viennent mettre en avant des gammes de produits dans les officines partenaires, qu'ils choisissent, qu'ils sélectionnent. Vous prendrez soit directement une officine donc multimarque, soit carrément à des marques sous marque blanche. Mais ça veut dire que dans les officines, ils n'ont pas cette expertise-là, parce que pour le coup, vous avez des humains qui pourraient vous dire, bah oui, vous devriez vous hydrater, etc. Ils le voient, ils ont des yeux, donc il n'y a pas forcément absolument. Le problème, c'est le manque de temps et le manque de fiabilité, et surtout la fidélisation client. Aujourd'hui, les personnes, on est tous avec notre téléphone, on a tous cette volonté d'avoir, un rapport digital. Là, on envoie par mail ensuite le rapport digital du diagnostic et d'avoir un suivi, en fait, qui va pouvoir venir améliorer son score et revenir dans l'officine pour refaire le diagnostic. Par exemple, Anthony, est-ce que vous aviez mis une crème hydratante ce matin? Non, c'est vrai. Non, mais l'application l'a vu. Vous ne pouvez pas mettre la poudre
300 mètres de c'est n'importe quoi. C'est et vrai. Puis il s'est maquillé à l'éponge dans mes. Voilà. Comme Nicolas Dose, pareil. Merci beaucoup, Étienne Audéou, associé directeur des opérations de Skin Analysis IA. Il y a de l'IA partout, décidément. Ah ben, toujours.